Ok, je vais prier pour. Si tu es malade, mets la main gauche là où tu as mal, mets la main droite sur l'écran. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu peux mettre son nom en commentaire. Tu as une photo de quelqu'un, tu mets comme point de contact et Dieu interviendra. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. En ton nom, je vais prier pour les malades. Tu as dit en Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. En Somme 107, verset 20, tu dis, tiens, il envoya sa parole et les guérit. Il les fait échapper de la fosse. En Luc 5, 15, la Bible dit un jour, Jésus enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Seigneur, je prie que tu guérisses quelqu'un en ce jour. Je prends et j'exerce, je prends autorité et j'exerce la domination sur toute maladie dans le corps d'une personne. Quel que soit le rapport médical que tu as reçu, que ce soit un cancer, que ce soit un ulcère, que ce soit une anémie, que ce soit le coronavirus, que ce soit le VIH, que ce soit un problème d'estomac, que ce soit un problème de peau, que ce soit un problème d'hypertension ou de tension, quelle que soit la maladie, insuffisance rénale, maladie des os, une paralysie, un AVC qui est raté, une paralysie partielle, la cécité, le mutisme, je déclare maintenant au nom de Jésus, cette maladie sort de ton corps, le diabète sort, l'asthme sort, l'ulcère sort, le cancer sort, le fibrome meurt, les kystes meurent, les trompes bouchées sont débouchées. Tout problème dans les yeux est guéri au nom de Jésus. Tout problème dans les yeux guéri au nom de Jésus. Tu as des trous de mémoire, tu n'arrives plus à te souvenir des choses. Tu es guéri au nom de Jésus, Dieu restaure ta mémoire. Tu as des problèmes dans le dos, ta colonne vertébrale souffre. Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton bassin souffre. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu as le rhumatisme. Jésus te touche. Reçois ta guérison. Tu as une insuffisance rénale. Reçois de nouveaux reins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des problèmes de la moelle épinière. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu as un problème dans les genoux, dans les chevilles. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui était nommée dans ta vie, Jésus-Christ te guérit maintenant. Jésus-Christ te guérit maintenant. Jésus-Christ te guérit maintenant. Cette maladie s'en va. Le VIH quitte ton sang. L'anémie quitte ton sang. Toute infirmité, le coronavirus, quitte ton sang. Tu as un problème dans les globules blancs, un problème dans les globules rouges. Dieu fait toutes choses nouvelles maintenant. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 5. Reçois de nouveaux globules blancs. Reçois de nouveaux globules rouges. Reçois un nouveau sang. Ton sang est purifié au nom de Jésus. Tu as un problème d'impuissance sexuelle. Tu as un problème pour enfanter. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu as un problème dans le cœur. Reçois ta guérison. Dieu te donne un nouveau cœur. Tu as un problème dans tes poumons. Tu as un problème de respiration. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kalabasha, kalaba. Toute maladie qui peut se nommer dans ton corps est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu étais envoûté, tu étais empoisonné, tu manges un rêve, tu as des cauchemars, tu es poursuivi, tu as des règles douloureuses, tu as ce genre de choses-là. Ah, par le nom de Jésus, tu es délivré de cette expérience démoniaque. Au nom de Jésus, le poison sort de ton corps. L'envoûtement part maintenant. Les rapports sexuels dans les rêves s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Tu ne mangeras plus jamais un rêve. Au nom de Jésus, Jésus te délivre des règles douloureuses. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es accro à la masturbation, tu es accro à la pornographie, tu n'arrives pas à arrêter, accro à la cigarette, à l'alcool, la drogue est en train de te détruire. Jésus-Christ, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, que Jésus, le Fils de Dieu, a paru pour détruire les œuvres du diable. Maintenant même, tu es délivré de l'alcoolisme, tu es délivré de la cigarette, tu es délivré de la drogue, tu es délivré de la pornographie, tu es délivré de la masturbation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Tu as un problème de vue. Tu portes des lunettes. Tu as un problème de vue. Tu portes des lunettes. Tu as un problème de vue. Reçois la guérison. Tu n'as plus besoin de ces lunettes. Dieu règle ta vue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des cauchemars. Tu arrives à dormir difficilement la nuit. Tes enfants aussi ont des cauchemars. Le diable qui fait cela est un bâtard. Aujourd'hui, Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Je décrète maintenant la fin des cauchemars dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sirène des eaux te libère. La sorcellerie te lâche. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Amen.